Ah, vous êtes là. J'ai cru comprendre que vous vouliez découvrir les coulisses de l'émission. Alors ça vous intéresse, bien sûr. Quoi? Non? J'ai du mal à entendre. Allez, suivez-moi, je suis votre guide toute la journée. Aujourd'hui, Thomas nous emmène en cuisine pour présenter une émission spéciale sur les condiments. Et pour commencer, direction le maquillage. Sur le chemin, je vous propose un petit quiz. Connaissez-vous les ingrédients pour un beau plateau de télévision? Du fond de teint, de l'anticerne, de la poudre libre. Mais surtout un présentateur. Et pour qu'il ne brille pas à la caméra, il a besoin d'être maquillé. Avec la HD? Oh là là, il y a un peu plus de travail, hein? Quoi? Thomas se rend ensuite en studio où l'attend une équipe de production. Bienvenue dans ce Tout s'explique un peu spécial. Lorsqu'il tourne ses plateaux en extérieur, il est souvent accompagné d'un journaliste, d'un caméraman et d'un ingénieur du son. Mais à certaines occasions, il est plus judicieux d'avoir un réalisateur. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis le réalisateur du jour. C'est grâce à lui et à son équipe que le lieu de tournage devient un véritable plateau de cinéma, grâce entre autres aux lumières, au placement des caméras, alors, mais ça n'est pas tout. Tu peux vraiment te coller. Je suis là parce que aujourd'hui on a décidé de créer un concept un peu particulier. Donc en fait dans les plateaux de présentation, il y a des recettes, il y a des informations qu'on a envie de donner. Et en fait ces informations-là, on va les intégrer dans le décor, dans la cuisine. Donc on va mettre des différents mots qui vont en fait créer un deuxième décor pour ajouter en fait un côté graphique et une esthétique particulière à l'émission. Et la réalisation de ces plateaux est rendue possible grâce à moi. Aussi un petit peu grâce à moi. Et quoi, vous m'oubliez ici? Attendez, c'est qui cuisine ici? Il faut une personne en charge de la production, évidemment. Je pense que le rôle du producteur, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on a des sujets prédéfinis selon un thème. Ici, en l'occurrence, ce sont les condiments, sel, poivre, huile, vinaigre. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire autour de ça? Comment Thomas peut être mis en valeur aussi? Et donc, on choisit un endroit. On est venu ici au Sassassa. Moi, je craque pour cet endroit. Et c'est vrai que, ben voilà, on a discuté avec le propriétaire de cet endroit, le chef qui va nous expliquer certaines recettes, trouver des recettes avec lui, voir un peu comment on fait les liens entre les différents sujets. Et la journée est longue. Heureusement que cette équipe affamée est tout de même bien nourrie. Quelques minutes plus tard, on retourne sur le plateau pour la suite du Tout s'explique en cuisine avec le chef Serge et Thomas. Et après manger, c'est connu, les professionnels sont beaucoup moins disciplinés. Ah, c'est bon! Et voilà, les plateaux sont enregistrés. Venez voir nos merveilles! Il ne nous reste plus qu'à encore goûter, mais cette fois-ci pour les besoins du tournage, au mets préparé par nos deux chefs. Et je peux vous assurer qu'on s'est régalé. C'est bon? Ah, quel beau métier!